del mar da Bahini. Vous le connaissez? Qui ça, Majeda? Mais monsieur Majeda Mahini, ça c'est le nom de le monsieur qui va prendre, qui doit faire le, il doit recevoir le transfert, je pense, de 100 000 dollars. Or, le nom c'est Ali Daini. Or, il appelle Majeda ou Ali Daini. Ok. Donc, il y a aussi, si vous voulez, les références bancaires, mais je pense que vous n'avez pas besoin de les références. Je pense que vous avez besoin seulement de le nom dans le cas que vous avez la possibilité d'identifier qui c'est. Ok. Ok. Et il y a autre chose. Les journalistes et la presse, que c'était une stratégie qui a été organisée par M. Carlos ici à New York, que moi je ne connaissais pas. Vous vous rappelez de l'article que je vous ai dit que j'ai manipulé et j'ai pris la photo moi? Oui. Tout le groupe de journalistes pour faire des articles contre de vous. Donc maintenant, ils me demandent, tout le monde, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment vous voulez utiliser ça? Puisque ça, c'est de presse importante, c'est-à-dire des journaux très importants dans tout le monde. C'est-à-dire à Londres, c'est le... à Londres, c'est le Guardian, l'Espresso en Italie, l'Espresso aussi en Portugal, c'est toute une équipe de journalistes. Ça faisait partie de la stratégie pour vous bloquer quand, enfin, moi je ne vous connaissais pas. Alors, il y avait cette stratégie qui avait été proposée et organisée par M. Carlos. Ce qu'il faut, écoutez, moi, ce qu'il faut, c'est que d'abord, bon, est-ce que ce monsieur-là, on peut bloquer le transfert des fonds? Est-ce qu'on peut? Oui, je peux bloquer le transfert des fonds, mais c'est pour ça que je vous dis, je vous donne le nom. Oui, donc moi je peux intervenir, mais je veux savoir de vous, parce que je me mets contre des situations un peu délicates, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut bloquer la disponibilité de fonds. Hein? Voilà, ça va. Il faut pas qu'il transfère ça, il faut bloquer ça. Mm. Bon, et puis demain on va voir comment on gère la presse, hein? Voilà, alors dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire de la presse, mais surtout, dites au gouvernement, enfin, à votre gouvernement, que dans les cas que les journalistes, ils commencent à appeler pour demander de moi, de pas dire trop le nom des choses, autrement moi, je sais plus comment expliquer, parce que nous, avant, il y avait une stratégie. Non, à ce qui vous concerne, si les journalistes demandent, nous, on va dire que vous n'êtes pas concernés. C'est une affaire intérieure, hein? Voilà. La manière qu'on vous a dit, c'est que vous n'êtes pas concerné, c'est-à-dire que vous avez été victime aussi de non-respect des normes administratives. Ok? C'est, alors ça va. Comment vous voulez que j'utilise cette presse? Parce que vous pouvez la utiliser contre n'importe qui va venir au gouvernement. Demain on se parle. Ça va. Demain on se parle parce que là, bon, demain on se parle pour mettre en place une stratégie pour la presse. C'est bon, ça va. Merci. Merci, excellent. Bonne soirée. Bonsoir. C'est de bloquer le transfert pour Bidon Monté, ok? Oui, mais la chose importante, de votre côté, s'il vous plaît, vous devez prendre des mesures pour M. Carlos, mais je ne sais pas comment le bloquer. Moi, je peux bloquer la personne, le Libanais. Mais le M. Carlos... On va prendre une mesure, ça va, ça va. Une mesure, ne vous inquiétez pas. Ça va. Merci à demain. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Bonsoir.